Ce soir, Radio-Canada est dans la Lune, n'ajustez pas vos appareils, c'est Bye Bye 69. Avec Marthe Fleurant, Chantal Renaud, Claude Michaud, Donald Lautrec. Célébrer notre premier anniversaire. Mais avant de manger, tu m'avais promis qu'on s'amuserait un peu. Ben écoute la chose, là, j'ai eu une grosse journée au bureau, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Mais pourtant, ce matin, tu étais consentante. Ben oui, mais ça, c'était ce matin, mais je te dis, j'ai eu une grosse journée au bureau, puis j'ai mal aux pieds, puis en plus, je comprends pas, j'ai mal à la taille. T'es donc pas fait que t'es donc pas fait. C'est maman qui avait raison. T'es donc pas fait, t'es donc pas fait. Tiens, ça y est, ça
l'hiver commence, on va faire ses valises, puis on va s'en aller chez sa mère. C'est long, c'est long, c'est long, ça finit plus. Bon, bon, ok, d'abord, je vais te faire plaisir. On va jouer un petit peu. Oh, t'es gentil, hein? Viens t'en chair. Nous allons jouer aux dames. C'est notre passion. Oh, t'es méchant, hein? Tu manges tout le temps. Avez-vous manifesté? Pour avoir justice, votre honneur. Justice? Les jeunes d'aujourd'hui, ça demande l'impossible. Ouais, votre honneur. Qui vous a frappé sur la tête comme ça? C'est un agent de police, figurez-vous, votre honneur. Est-ce que vous avez pu prendre son numéro? Non, mais je reconnaîtrais de rire n'importe quand, par exemple. Ce soir.
passe entre mon unique préféré, Société le Juste. Que Dieu ait votre âme, Pacha Lesterby. Que Dieu ait votre âme, Pacha Lyot, et que vos femmes aient votre corps. Pourvu qu'elle n'ait pas ma peau. C'est une façon agréable de se faire harem kiri. En fait, unique préféré, comment vont les affaires? Chef, les affaires vont mal. Eh bien, je crois qu'il faudrait un régime d'austérité dans le palais. Mon Pacha Lyot pourrait se séparer de l'une de ses 10 femmes, la princesse Québec Céphère. Quoi? M'a débarrassé d'une de mes plus belles conquêtes? Ça, vous savez, moi, belle ou pas belle, elle ne me dit pas grand-chose. Oui, dans votre cas, unique préférée, ça se comprend. D'abord, elle ne parle pas la même langue que vos autres femmes. Sa natalité est à la baisse et de plus, vous la faites chômer plus souvent qu'à son tour. Et d'après vous, qu'en ferais-je? Je pourrais la vendre. À qui? À Pachapidou. Il a un œil sur ses ressources naturelles. Moi aussi, d'ailleurs, je la garderai même par la force, s'il le faut. Alors, je conseille à Pacha Lyot de couper sur le luxe, s'il ne veut pas couper sur la luxure. Ah tiens, bonne idée. Dites donc, la princesse Ottawa, d'où vous viennent ces objets de luxe? Ce sont les bijoux que vous m'avez offerts pour vous avoir procuré des embrassades à l'étranger. Bon, eh bien, alors voilà, coupons. Coupons sur les ambassades au Brésil, les ambassades en Bolivie. Coupons, 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 coupons. Alors voilà, unique préférée, venez ici. Coupons. C'est déjà fait, chef. Je l'ai vu quelque part ou l'autre. Ça se peut bien, ça, ça se peut bien. Vous n'êtes pas des manifestantes, hein? Non, non, on n'est pas des manifestantes. On fait la grève contre le patron de Grand Jules. Moi? Ouais. On avait assez de se faire en quatre pour lui. On ne savait plus où se mettre la tête. La tête? Oh! Un cornet de crème en glace et du pêche tous les lacs.
connais, vous, c'est pas la première fois que vous êtes arrêté pour avoir manifesté, hein? Non, votre honneur, c'est la 20e fois. Ah, comme ça, on peut dire que vous êtes devenu un professionnel de la manifestation. Certainement. Voici ma carte d'affaires. Au Québec, on sait faire des carottes et des moteurs, des soupapes et des bijoux. Ah oui, au Québec, on sait faire de la mélasse et du mastic, des oignons et des caramels. Un moment, hein? Ouais. Que c'est faire qu'on fait une fête à papa, là? C'est parce qu'il a parlé au Parlement sur le nouveau Bill 63. Ouais. Hey, maman, la maîtresse d'école, là, ben, elle dit que les élites du peuple, là... Pas des élus, ma pitoune. C'est des élus du peuple. Oh, ben, tu que les élus du peuple, là, tu que c'était des gens comme les autres. C'est pas qu'est-ce qu'elle dit, ta maîtresse. Ton père, c'était pas un homme comme un autre. Oubliez pas qu'il est député depuis 27 ans. Hey, mais, hein, qu'est-ce que ça fait, un député, quand tu parles? Ben, c'est les journaux, c'est la radio, c'est la télévision. Tout le monde va parler de votre papa. Hein? Ah! Hey, papa, il avait vraiment parlé avant. Ah ben oui, il y a 27 ans, il a parlé quand il avait été député. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il avait dit, donc? Ben, il a dit des choses qui sont pas faites pour les oreilles des petits-enfants. Hey, pense que c'est papa, au moment que ça y est. Pense que c'est papa. Bonsoir, la petite. Un nouveau Bill? Ouais. Ben, un Bill. Tu connais ça, sa mère, un Bill? Ouais. Un Bill, d'abord, tu es assis. Ouais, puis là, devant toi, t'as un pupitre, là. Et puis, t'as un gros 6 pouces d'olive chaque côté, t'as un crayon à pile, t'as une feuille de papier. Hey, Pat, que c'est fait dans le papier? Ben, c'est pour prendre des notes, cette affaire. Moi, ça fait 27 ans que je suis là, que je suis très économe, mais je ne l'ai pas usé encore. Ouais, ouais, mais après, là, il y a un grand mot qui est fun. Ah ben là, c'est... t'as le chef qui est de côté. Chef, très important. Ouais. Chef, tu le regardes entre les deux yeux, puis tout ce qu'il fait, tu fais pareil. Il tourne la tête, tu tournes la tête, tu lèves le bras, tu lèves le bras, il baille, tu bailles, il rompe, tu rompes, puis il se gratte, tu te grattes. Ben oui, ma belle, c'est ça, l'esprit du parti. Ouais, ouais, mais quand le chef, il craque, il faut tout la tête, hein, pour que les pellicules tombent sur toi. Oui, laisse donc, frère, il comprend pas. Ça doit être fatigant, mesdames, vous êtes députés, hein? Ouais, mais pas de nous, ton discours, pas, là. Ben là, là, ouais. Mais pas de nous, pas, là. Je pense qu'il va parler, là. Ben là, là, c'était assez dramatique, là. Il était 9h17 ce matin, là, et puis, il y a un député, le chef était là, puis il me regarde de côté, moi je le regarde. Pas de côté, Pat? Oh là, entre les deux yeux. Oh, pas sur le même côté que quand il s'est gratté tout à l'heure que tout le Laisse donc faire, oui. Là, il y avait un député d'opposition en face, puis à un moment donné, il se lève, puis il traite le chef. Qu'est-ce que t'as fait? Hey, toi, qu'est-ce que t'as fait, Pat? Moi, je me suis levé enragé, puis j'ai dit, il n'y aura pas de vie privée ici! Là, il y a quelqu'un qui m'a dit que cette fête, ça voulait dire messager. Alors, j'ai dit, bon, ben, OK, d'abord, si vous le prenez demain, mais moi, des gars qui disent des raffineries, là, je me méfie de ça, puis en plus, comme j'étais en colère, puis j'étais pas pour laisser ça passer de même, mais je suis choqué, puis je l'ai traité de cochon! Puis là, on a voté le nouveau Ville 63. Thank you.
moi entre les dents. Je m'embarquais pour le voyage. Elliot Trudeau, oui, Pierre, c'est bien. Voici. Au ciel, avec les anges, oui. Mâle ou femelle? Ni l'un ni l'autre, c'est pour ça qu'on vous envoie au ciel. Oui, monsieur? Mon nom est Rémi Hall. Je voudrais voir... Hitler, plutôt Saint-Pierre. Rémi Paul, je ne trouve pas votre nom. Bon sang de ça! D'après nos registres, vous n'auriez pas dû exister. Oui, monsieur? Jean-Jacques Bertrand. Mais Bertrand, Jean-Jacques, oui. Au limbe avec les innocents? C'est comme dans la vie, M. Bertrand. Mais il me semblait que ça avait été fermé, ça, les limbes. Oui, mais pour vous, on va les ouvrir.
J'en ai eu tant de fois, même que j'avais mal à un pied, ça faisait rien. Mal à un pied, hein, c'est parce que je n'étais pas tout seul à marcher sur mon pied, les autres marchaient sur mon pied. Ça me faisait rien, moi, parce que je savais j'avais un autre pied, hein, en fait, j'ai eu bien mal au pied. La dernière fois, là, moi, j'ai eu du fun de même, là. Je pense que c'était au Forum de Montréal de la province de Québec de Montréal. Ouais. C'était les Ice Follies, je pense. Ah oui, ça, en tout cas, le chef, là, il avait fait tout un discours, hein, une affaire de discours à peu près 24 pieds de long, là, puis tiens, et pas de même. Même qu'il y avait un gars en arrière de moi au Forum, il disait que ça avait l'air d'une brique, ça. Sans brique, hein, ça pouvait assommer n'importe qui. Ah oui, j'ai jamais eu de fun de même, jamais de ma vie, moi. J'étais jamais venu, moi, à un congrès politique. Même que j'étais jamais venu avant de venir dans celui-là que je suis dedans pour la première fois. Ouais. C'est le beau Gaston, ça, qui m'avait dit, t'as été nommé délégué pour le comté au Congrès de Québec. Hey, moi, délégué, j'ai dit, ouais, alors, des fous délégués, je connais pas ça, la politique. J'ai dit, hey, mais net, qu'est-ce que tu veux aller faire là-dedans? Il dit, laisse faire. Il dit, laisse faire, c'est mon père qui t'a nommé. Mon oncle Télesphore, hein, je ne peux pas rien y refuser, vu que c'est lui qui m'a eu mon prêt agricole pour changer mon char. Hein, j'ai été obligé d'accepter. Ouais, là, on s'est amené au congrès, on s'est amené à Québec hier, mon oncle Télesphore, Gaston, puis moi. L'organisation du comté, c'est-à-dire mon oncle Télesphore, hein, il avait réservé des chambres dans un motel. Un motel, ça, c'est comme une grande étable, hein, avec un corridor pour passer d'une chambre à l'autre. Je dis que ce soir-là, hier soir, ça passait d'une chambre à l'autre. Ah oui, les gars chantaient, il y avait des congressistes d'arriver un petit peu avant nous autres. Ça chantait, ça criait partout, il y avait des femmes. Ben, hey, j'ai jamais vu tant de femmes, moi, s'occuper de politique. Ça passait d'une chambre à l'autre, moi. Ah, je disais même que, c'est mon cousin, il m'a dit, c'est des cowgirls. Moi, j'avais déjà vu des cowboys dans un film des cowgirls. Je ne savais pas, hein, des cowgirls. On ne les reconnaissait pas bien parce qu'ils avaient enlevé leur costume de cowboy. Ah oui. Même qu'il y en a une qui a m'invité pour aller dans sa chambre pour discuter, je pense. Pas fou, mais hein, j'ai dit non parce que Gaston, il m'avait bien averti. Il dit, laisse-toi pas influencer. Ils vont essayer de savoir les gars de l'autre candidat. Hein. Ben, ça leur apprendra à essayer de m'avoir par la bande. J'ai dit non! J'ai dit non! Ben, il ne faut pas me prendre pour plus fou que j'en ai l'air. Ça fait que, un matin, ben, on s'est amené au Colisée. Hein. C'était ben, pas mal impressionnant qu'on est arrivé devant le Colisée. Là. Il y avait des polices, 400 rangées de grosses polices, bien habillées en costume de parade avec des grands bâtons blancs, là, et puis un gros casque blanc avec une vitre d'en face. La vitre, ça, c'est pour protéger quand il pleut, parce que ça vient de partout. Hein, moi-même, ça m'a tellement impressionné, les polices, là, qu'au début, quand je les ai vus avec le grand bateau, je pensais que c'était des marorettes. Ah, il y avait tout l'air bien intelligent, les grosses polices, tu sais.
à l'école. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Là, là, on est rentré dans le Colisée. Ah ben là, il y avait du bruit là-dedans, monsieur, du tapage, des sifflettes, la fanfare là-dedans, mon vieux, les confettis partout. Là. Il y avait tellement de bruit là-dedans, là, je te mens pas, il aurait fait sauter une bombe qu'on ne l'aurait pas entendu péter. Là, à ce moment-là, il y a mon oncle Télesphore, il nous a pris Gaston puis moi dans ses bras comme ça, puis dans un sanglot, hein, il nous a dit, même qu'il avait l'air pas mal ému, hein, il nous a dit, les jeunes, c'est ici, au Colisée de Québec, à l'exposition provinciale de 1952, que ma vache a gagné le premier prix de sa catégorie. Puis là, il a rajouté dans un sanglot. Je pense qu'aujourd'hui, on va revivre des moments aussi émouvants que ça. Je suis revenu. Il est revenu. Moi aussi, je suis revenu. Lui aussi est revenu. Je suis revenu à Drillbream. Que j'aimerais donc se revenir à Drillbream. C'est pour sûr des gars qui connaissent leur métier, puis on peut dire ben, que la vie qu'ils mènent, c'est en plein genre de vie qu'ils aiment. En fin de compte, c'est ça le secret qui fait que les gars sont satisfaits. Chasse mal à la tête. Mettez-y du gay, oui, mettez-y de la vie, la vie, la vie, la vie. Elle la connaît, ça. Il y en aura pas de commercial. Oh oui, ben j'aime beaucoup ça, la danse. Tu sais que t'allais voir les ballets de Moscou. Oh oui, c'est très fait. Vas-y, Manoir. Vous avez passé une audition pour jouer dans un film cochon. Ben vous êtes une grande découverte. C'est merveilleux, ça. Et toi, mon beau Noir, tu n'as pas que t'as fini par faire ton record. Ben là, tu dois être fier. On va l'écouter. Oh oui, ça nous fait plaisir. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, mon Dieu, c'est joli, ces petits bijoux-là. C'est très joli. Oh oui, c'est bien. Puis toi, mon beau blond, qu'est-ce que c'est joli, ça, petite coupe, beau frisé. Comment ça va que je me suis fait voler mes bijoux? Ben oui. Ouais. Ouais, ben c'est beau, on verra ça. Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais, donc? Hein? Hé, Denis, il nous reste 5 minutes. Oui, oui, oui. Comment ça va, ton commis? Ben, tu veux parler de ma discothèque La Taquette, mon restaurant situé sur la rue. Hé, hey, pas de petit qui dit, ah, des commerciaux sur l'air, une vraie folle.
C'est bien joli, ta petite blouse. C'est joli. Ah oui, c'est joli. Tu as acheté ça, ma blouserie? Justement, je l'ai mise pour aller à ton disco bar, le Doudou. C'est comme une tache de graisse, là, ici. Tout ma grande crapaud de race de démon, tout t'as renversé ça en servant tes fameux steaks à ton restaurant, la boucherie. Eh bien, tu vas m'arrêter ça, hein? Ouais, on est un petit commercial. On le passe tout de suite si on veut te payer plus cher, hein? Comment c'est ça? La pilule est presque incroyable. Et voici qui en surprendra plusieurs. La pilule présente un moyen de faire durer son plaisir plus longtemps, le régime de diagnostic. Maintenant, lorsque vous achetez une pilule neuve, vous obtenez en plus 2 ans de garantie, 2 ans d'inspection gratuite. Là, un spécialiste de diagnostic au moyen d'instruments électroniques spéciaux la vérifie d'une face à l'autre dans ses moindres détails et c'est absolument gratuit. De cette façon, on découvrira les moindres ennuis de votre pilule bien avant qu'elle ne vous crève les yeux et peut-être votre budget. Je ne lui trouve rien qui cloche, mais il y aura bien une prochaine fois. Je l'aime donc, ma petite femme. Francine chérie, faut s'élever de bonne heure pour cuisiner comme habitant. Je suis très fier de mes enfants, c'est-à-dire de ceux qui restent. Merci, copain, je suis heureux. Ma femme est bien bonne pour moi. Elle me trompe le matin, elle me trompe le midi, elle me trompe le soir, puis moi, je rentre la nuit. Elle te trompe toujours. Eh bien, dans ton cas, ça se comprend. T'as tellement d'affaires à brasser. Je suis tellement contente qu'il soit heureux. Et puis toi, comment il s'appelle, lui? C'est Roger, la troisième version. Ah, bon. Et puis toi, mon Roger, comment est-ce que tu t'arranges? Oh, ça va, papa. Je me suis fait refaire le visage 3 fois en 2 ans. À part ça, ça va. Je suis toujours chômeur. Je suis toujours alcoolique et je suis toujours à côté. Ça a toujours été le plus débrouillard de la famille. Et toi, papa, ça va? Non, ça va pas. J'haïs les pauvres, j'haïs les riches. J'haïs ça, ta mère, puis je vous haïs tous. Et en plus de ça, je suis au bord de la faillite. Si j'avais fait de la politique, ça serait le comble. On peut dire que le bon Dieu m'a gâté. Toi, que t'attends? En tout cas, on peut dire qu'on a une belle famille. Pourquoi tu brailles tout le temps comme ça, toi? Ben oui! Et tu bêtes un peu! Mort! Quand je meurs, puis que je quitte le paradis des restes. Votre mère est peut-être morte, mais en tout cas, on peut dire qu'elle avait la force de Gibraltar! Je la mettrai à la clé, au revoir! Laquelle de ces deux femmes a mis du Federico BO16? Ce sont les deux filles les plus fraîches en ville. Jolan
pas la clé, on la voit. J'ai plus mal à toi. On se guette, taqués à bout de souffle marchant, pétrifiés dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge, des nations qui t'aiment, tu es par des rêves chimériques, et pas une certitude, dans un monde assez